Ah, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, les amis, c'est revenu. Tout à l'heure, j'attends comme un con que ça revienne, et là, c'est revenu, je crois. Attendez. Dites-moi si c'est revenu. Je suis là, ça y est, je suis de retour. Ah putain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, je suis de retour, les amis. Le live essaie de se reconnecter. Je reçois les messages. J'ai pas reçu les messages du coup, que vous avez envoyés. Ok, c'est bon. Ok, boomer. Désolé, j'ai pas reçu du coup les messages que vous avez envoyés sur le chat. J'étais. Bah, ça a déconnecté, je sais pas pourquoi. Re les gens. Désolé, du coup, ça a déco. C'est ma faute. Enfin, c'est pas ma faute, j'ai rien fait, mais. J'ai rien fait pour, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Ça, parfois, ça bug. Il y a des choses qui bug comme ça. Attends, mais j'ai même pas de pelle ni rien pour taper sur le. Pour taper sur les bambous. Alors oui, j'ai besoin d'acheter un outil. Parce que là, je suis dans la merde. Hein. Alors, combien tu vends tes outils? Ok, 100. C'est pas mal, 100, c'est pas cher. Allez, donne-moi la petite. Ouais, je veux ça, parfait. Par contre, je veux aussi que tu me vendes... Non, ça, ouais, ok, c'est super. Mais vends-moi autre chose. Mais non, mais direct, moi j'avais... Oh, laisse-moi directement dans l'inventaire. Dans la boutique. Et une pelle. I need a pelle. C'est quoi, comment ça s'appelle le truc? C'est chill. Je sais pas comment s'appelle le jeu qui me permet de me rappeler comment on dit pelle à chaque fois. Putain, je sais plus. Non, il y a Dipple, c'est pas mal ça. Taras toi. The Shovel, ah Shovel Knight, c'est ça, c'est Shovel Knight. Shovel Knight qui me permet de... Ouais merci, t'as été trop lent. Shovel Knight, c'est ça qui me permet de... Knight, c'est pour ça que c'est ça qui me permet... C'est ce jeu-là qui me permet de me rappeler à chaque fois. Ah, j'ai encore débloqué un truc. Ah bah c'est là-haut. Ouh, 5000 de pognon. Bim. Ah bah voilà, j'ai récupéré les thunes que je viens d'utiliser. Tellement chill ce jeu. C'est le jeu le plus chill de tous les jeux qui sont sortis dernièrement. Là. Oh putain, tout ce que je récupère. Bon, moi je vais dormir. À plus les amis. Du coup, c'était bien long le bug, rassure-toi. C'était bien un bug, rassure-moi. Oh, oui, c'était un bug à Jupitari. Bonne nuit, Archie. Bonne nuit et à demain du coup. Repose-toi bien. Fais attention à ta santé. Lave-toi bien les mains. Et lave-toi les dents avec du gel hydroalcoolique. Bye, Archie. Architecte. J'ai cru bien voir que j'en avais un deuxième, non? Ah non, j'en ai pas un deuxième. Je vais mettre mon matelas devant le portail. Alors, yes. Voilà, 300. Perfect. Qu'est-ce que j'ai du coup déverrouillé là? Alors, les papillons. C'est les papillons que j'ai déverrouillés? Non, c'est ça, c'est le trilobite. Le trilobite, c'est aussi... Le porte, c'est aussi un truc rare, putain. Ok, ça marche pas très bien ça. Alors s'il te plaît, arrête, non c'est bon, j'ai pas envie. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bah qu'est-ce que j'ai fait les amis? Je suis en train de tester ma connexion internet, si je peux l'avoir la fibre là. Normalement c'est aujourd'hui. Nous ne sommes pas en mesure de finaliser votre commande en ligne. Bâtard. Alors, Emmerich est connecté? Non. Ah non, il est connecté. Putain, MDR, il est connecté. Je vais envoyer un message du coup. Architectonique. Archiparmentier. Pur le correcteur. Allez, du coup j'en étais où? J'ai dit que je voulais récupérer un arbre. Est-ce que j'ai encore assez de force pour récupérer un arbre? Équipé. Je crois que j'ai même pas assez en fait. Non mais j'ai pas assez, j'ai pas pris de fruits. Tu regarderas, mais j'ai l'impression que les lives, les vidéos YouTube pour les rediffs s'arrêtent beaucoup plus tôt que celui de Twitch. Ah, peut-être qu'il y a un minimum pour les vidéos YouTube, je sais pas, j'ai jamais fait attention, ça se trouve il y a un minimum de temps. Ouais, je regarde, c'est bizarre ce que tu me dis. Tu regardes les rediffs sur YouTube toi? Non.
Miteux. Ah oui, les cailloux, c'est ça que je vais taper. Yep. Ah, énorme. Bah, merci du coup. Bah, faudra que je regarde, c'est bizarre. Ah, c'est bon. Je suis arrivé au maximum. Mais c'est bizarre que ça marche pas. Que ça s'arrête avant. C'est bien chelou ça. C'est chelou cette histoire. Hop. Hop, le trilobite, regardez, il y a les petits... Oh bah je l'ai écrasé avec, avec un caillou. Il s'est fait écraser le pot. J'allais dire, regardez. Ah non, c'est bon, il a survécu. Ça va, tout va bien. Fuis. Fuis, petit insecte. Fuis, fonce. Oh, il se met en boule, le pauvre, il a peur. Il fait des roulis-boulis, comme Orion. Il s'enfuit toujours, hein. Regardez-le, il est là, il s'enfuit. Il se met en boule. Est-ce que je peux l'attraper? Entre quoi je l'échangerai si je l'attrape? Il est toujours là ou pas? Ah oui, il est toujours là. Bah. Ma caramba. Hop là. Trop mignon, le petit cloporte. Alors, échanger, contre quoi je l'échange? Bah, contre des trucs que j'ai déjà. Ça, je l'ai déjà là-bas. Je m'en fous. Hop, voilà, c'est bon, on peut rentrer à la maison. J'ai ce qu'il faut, j'ai des bambous et tout. Il y a des bambous! Ouais, je sais que Farius Jumper, pour son live, 24h, il a fait plusieurs parties, 7 heures de live à chaque vidéo. Ah, ouf, pardon, excuse-moi, monsieur. bah ouais, bah, faut que je regarde s'il y a une limite de temps. Peut-être qu'il y a une limite de temps sur le live YouTube et que je savais pas. Je veux rentrer. Let's go to Vibi. Yes. Chaque rediff, pauvre dodo. Ouais, je l'ai tapé. Il a rien demandé, il s'est pris un coup de fil à pêche dans la gueule. Filet à papillon. J'ai hâte d'avoir le musée pour voir, pour mettre toutes les fossiles que j'ai découvert. Oh, la tête de bite que j'ai, putain. J'ai envie d'acheter le chapeau violet juste pour changer, quoi. J'ai l'œil partout, Maître Fox. Ouh. Attention. Alors là, on peut entourer notre maison de bambou. Alors, où on entoure notre maison, ou alors... Ouais, j'ai envie de l'entourer notre maison, en fait. J'ai envie de l'entourer, la maison. Ou alors je crée un truc... Peut-être qu'il y a une personne qui a une maison japonaise à côté, non? Et je lui mets des bambous autour de lui, non? C'est une maison normale qu'ils ont. Ils ont des maisons normales, j'ai l'impression. Badam, badadam. Ok, du coup. Ok, boomer. Ça fait longtemps que j'ai pas arrosé les plantes, moi, dis donc. J'ai pas d'arrosoir sur moi, je crois que je l'ai cassé mon arrosoir et depuis je l'ai jamais refait. Bah les bambous, je les plante hein. Alors est-ce que du coup ça je peux juste les sélectionner et écrire planter? Ah ouais, d'accord. Bah je vais les planter ici. Mais il y a de la place, c'est juste devant moi, il y a de la place, je fous ma gueule ou quoi? Voilà, il y a de la place, tu vois qu'il y a de la place. Et là normalement je peux le mettre. Ça m'étonnerait vu que c'est quand même assez collé à l'arbre, ouais, c'est ce que je pensais. On va le mettre ici là. Il y a un arbre juste là qui fait chier. Je vais l'enlever. C'est quand le prochain stream Pokémon Donjon Mystère? Bah je sais pas, t'as raison, il y a tellement de jeux que j'ai envie de jouer que je sais même plus quand, les jeux que je joue ou ceux que je joue pas. Mais t'as raison, tiens, c'est une bonne question. Même moi ça me donne envie d'y jouer là, ce que tu me dis. J'ai complètement oublié. En fait, il y a tellement de nouveautés que j'oublie tous les jeux que j'ai déjà moi acheté. Bah demain, on peut s'en faire un. On peut se faire un petit donjon mystère demain. On se fait quelques donjons. Ce qu'on peut faire, on fait quelques donjons et on continue l'histoire aussi. Avec parce que j'ai pas continué l'histoire du coup. Vu que je suis censé le faire en live. Vas-y, je vais mettre ça ici. Attendez. Hop. Yes. Allez hop. Voilà. Personne n'ira. On n'y verra que du feu. Moi, sur ma R4, c'est quoi une R4 de DS? Ah, d'accord. J'avais eu l'ancien Dojo Mystère. Moi, j'ai le méga Dojo Mystère et j'ai jamais fait. J'y ai jamais joué.
Et je crois que c'est un des plus durs dojo mystères qui ait jamais existé. Je vais faire un mur jusque là. Jusqu'ici là. Ce sera ma maison, c'est délimité par des bambous. Après je les changerai de place les bambous. C'est juste histoire de les délimiter. Allez hop, j'emporte ça. J'emporte celui-là aussi. Voilà, hop. Je crois que va falloir que je les plante les trucs en faisant un trou. Des pousses de bambou. Alors. Des pousses de bambou. Il me reste un bambou entier. Alors j'ai pas de place, comme par hasard. Mais genre il y a pas de place là. Je t'ai dit qu'il y avait de la place. Tu me mets de la place. On va se faire quelques petits donjons. On se fait quelques donjons, puis après on passe sur d'autres jeux. Il faut aussi que je tourne la vidéo parce qu'il faut pas que la chaîne YouTube reste à l'abandon. À sous les pouces. Où sont les pouces de bambou? Ah, sont là, d'accord. Lâcher, en manger. Ah, c'est des cœurs de bambou, on peut les manger. On peut pas les planter plutôt, c'est pas plus intelligent. Attendez, c'est bizarre ça. Attendez, c'est bizarre. Est-ce qu'on peut pas les planter? C'est pas plus intelligent de planter les bambous plutôt que de les bouffer? Il m'appelle. Ah merde, j'ai plus de pelle. Ah là là. C'était quoi le truc pour faire la pelle? Enfin la pelle. Pour faire, ouais, la pelle, c'est quoi les ingrédients qu'il fallait? Si vous n'êtes pas content. Du choix que vous donne le jeu, pas content. pas content. Ah ouais, j'ai adoré quand j'ai mis ce moment de Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. T'as aimé la vidéo du coup? Celle sur comment il s'appelle? Sur Donjon Mystère. Attendez, je suis con quoi? Pourquoi je touche là-dessus moi? Là, je suis débile. Le code créateur, le code ami passe devant mes yeux. Ça vous le verrez pas. Hop là. Alors du coup je disais qu'il me fallait du bois. I need wood. Ok. Est-ce qu'il me faut du bois dur? Du bois dur. Je suis sûr que c'est du bois dur. Je suis sûr que c'est du bois dur. Il faudrait que je mette un établi à l'intérieur aussi. Ça dès que je suis à l'intérieur, comme je récupère des ingrédients, je peux travailler un peu partout. Ah, je vais faire ça. Je vais créer un établi à l'intérieur. Alors, au travail, je vais faire un établi. Je crois que pour faire un établi, il faut un peu de tout. Alors déjà, il faut la pelle. La pelle, elle est où? Celle-là. Ok. Il faut un peu de chaque bois pour faire la pelle. Je crois qu'il me reste une... Alors, je suis pas sûr, je vais vérifier. Je crois qu'il me manque... Oh, il me reste une hache, ok. Qu'est-ce qu'il a, lui? Mais oui, j'ai fait des objets, tu le sais. Ok, il est où? Tiens, le voilà. C'est quoi ça si tes outils cassent? D'accord. Fabrique-en d'autres. J'en ai fait. Ah, il faut en faire. J'ai fait 50 objets. Ah, mais c'est impressionnant. J'ai fait 50 objets. Putain. Pas content. Re. Oh, Emmerich. Je t'ai envoyé un message. T'as vu sur le jeu. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as reçu? Ouais, tu l'as reçu. Tu m'as envoyé un message. Yo. Ah, tu m'as envoyé yo. Bah voilà, tu m'as envoyé yo. J'avais pas fait attention, désolé, j'ai pas vu. Bah ouais, du coup, Re, comment tu vas? Ça va, tu te passes bien ton confinement? T'éclates? T'en es où dans ton jeu? Regarde, j'ai trouvé l'île au bambou, moi. Eh, marche des bambous, les bambous. Acheter au favori. Alors. Ah, bah j'ai déjà une hache, une pelle en favori. Chelou. Ah, ouais, j'avais déjà une pelle en favori. Bah, c'est trop chelou, ça. Ah, mais j'ai deux pelles, merde, j'ai pas fait attention. J'en ai fait une pour rien, alors. Je sais pas si ça marche, mais je vais planter des. Et bambou. Ah, je sais pas si ça fonctionne. Hein. Je sais pas si en planté comme ça, ça fait une petite pousse ou pas. Oui, ça fait une petite pousse. Et voilà, ça marche. Hop, ça marche. Planté. Ok. Ça va, nickel. Le Jupiter, il est content, hein. Tout va bien. Ah, c'est vous arrivez. En fait, dès que vous arrivez, c'est direct chez moi, quoi. Allez, hop, c'est direct la maison, quoi. Je fais un passage de bambou. Un schéma de bambou. Non, mais qui a dit de creuser là? Il est con, ce perso. C'est pas très, très centré, tout ça. Dis-moi, Emmerich, est-ce que, du coup, ça fonctionne de planter des pousses de bambou? Est-ce que ça fait des bambous? J'imagine que oui, ça fait des bambous. Sinon, c'est con. Hop, regardez, hop, ça fait une pousse de bambou ça. Et là, on peut pas la planter là. Ah, oh, putain, si.
Oui, ça marche. Et comment elles sont collées, les poses devant vous, là? Regardez comment elles sont collées. Ok, bah voilà, ça fait un petit chemin. Là, il y a mon petit établi. Les petites fleurs, là, je les ai écrasées, donc du coup, elles ressemblent à rien. Il faudrait que je mette des barrières, là. Des petites barrières pour pas écraser les fleurs. À chaque fois, je les écrabouille, les pauvres. Ah oui, j'ai une hache aussi, maintenant. Vu que j'ai la hache. Je vais la prendre et je vais taper les arbres pour récupérer du bois. Je sais pas si c'est revenu déjà. Aïe aïe aïe. Ok, j'ai vraiment plus aucun arbre sur lequel je peux récupérer du bois. Et puis t'es un passionné. Qui c'est qui est un passionné? Attends, de quoi tu parles? Moi je terraforme mon île. DR carrément. T'es déjà au terraformage, mais c'est terraforming, c'est n'importe quoi. Comment tu vas aussi vite? C'est pas possible, tu te lèves à 7h du matin pour y jouer quoi au jeu. T'es là, t'es présent dès 7h du matin pour jouer au jeu. Qui c'est le passionné, Jupiteri? Mais c'est pas tard. Regarde ma grande phrase. Ah, oula. Ah, mais s'il y a des grandes phrases à lire. Yeah, t'inquiète pas, vu, tu vas largement percer parce que le montage est parfait et mis au bon moment. Au moment, j'adore la déco de derrière et puis ça se voit. À l'aise pour parler. Non. Ah, c'est gentil, Jupiteri. Sache que je suis pas du tout à l'aise pour parler. Que parfois, si là, je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. De plus en plus, je me sens beaucoup mieux dans le fait de parler en face cam ou en parler tout court devant la caméra. C'est compliqué en fait. Je suis la formation de Poisson Fécond. J'ai des contacts avec lui, genre je parle avec lui, tout ça, et on discute avec beaucoup de personnes qui ont acheté sa formation. Et on discute un peu de... tout et de rien, enfin pas de tout et de rien, mais de comment, entre guillemets, percer sur YouTube. Et il a ce mec est juste... sa formation est juste super bien faite. Et je kiffe. Je kiffe ce qu'il dit, je kiffe comment il explique, et ça marche super bien. J'y joue depuis 8 heures. Ah ouais, de 8h du matin, mais t'es un malade, t'es un ouf. C'est toi, t'es passionné par contre, t'es passionné de ce jeu-là par contre. Tu devrais faire des cours de théâtre en dehors du stream. Oui, c'est vrai que ça pourrait aider, hein. Ça aide beaucoup à se trouver un personnage et à se dédouaner un peu de ce mal, entre guillemets, de se sentir un peu plus à l'aise à parler en public et tout ça. C'est compliqué hein, de s'exclamer devant les gens et tout. Ça m'arrive parfois de réussir et parfois j'ai vraiment du mal. Je voulais poser mes affaires parce que j'ai beaucoup trop de trucs, j'ai des bambous sur moi là. Tu devrais faire des cours de théâtre, j'y joue depuis 18h, regarde ma grande phrase. Ok, alors. Est-ce qu'il y a de la place dans l'inventaire? Je ne sais point, mais c'est pour ça que je vais poser mon bambou ici. Entreposer. Je sais même pas à quoi ça sert le bambou, on va voir. On va voir à quoi ça sert. Alors j'ai du bambou, j'ai du bois tendre, du bois dur. Et j'aimerais savoir si j'ai du bois pas dur. Alors j'ai du bois normal, du bois dur, et du bois tendre. Ok, bah écoute, c'est parfait. C'est parfait, mais du coup... Ouais, je sais, j'en faisais du coup. Je suis à l'aise à part quand c'est pour dire à une fille que je l'aime. C'est trop mignon. C'est trop chou ce que tu dis. C'est trop trop chou. Je meurs d'amour. Trop mignon. C'est trop mignon ce que tu dis, Jupi. Ça viendra avec les années, ça. Je peux t'assurer que moi, j'étais... Demande à Emric qui est ici présent. C'est un pote de longue date. Et quand, si tu lui dis... Tu lui demandes comment était le Jesse d'avant et le Jesse de maintenant, il y a de l'évolution. Il va te dire waouh, c'était un moine. Ah, l'alcool c'est pas bien. Ah, si c'est pas bien. Ah, j'arrive pas à parler aux filles. Ah, j'arrive pas à faire ça. Ah, j'arrive pas à faire ci. Et maintenant, je claque tout. Je claque les fesses. C'est des blagues, c'est une blague. Mais maintenant, je parle plus facilement parce qu'en fait, faut vraiment partir du principe que t'as rien à perdre. Rigole, amuse-toi. Lance-toi des défis. Oh oui, c'était un congé. Un quoi? Un congé de ouf. Ça veut dire quoi? Un coincé de ouf. Donne-toi. Même pas donne-toi à fond en fait. Tu t'en fiches. Lance-toi.
Lance-toi, et puis si ça marche pas, ça marche pas, mais tu verras un jour, ça marchera dans ta vie, ça marchera, ce que un truc marchera, et tu diras, ma mère, c'est pas ce que je voulais, mais bon, c'est ce qui m'apporte le bonheur, et voilà, c'est tout. Que ce soit une copine ou toutes les décisions que tu as dans ta vie, et te fais pas chier à te poser la question, d'avoir peur, c'est normal, en fait, tu n'arriveras pas à... Tant que tu n'as pas l'expérience, en fait, tu peux pas apprendre de tes erreurs. Mais fais des erreurs, c'est bien. Fais des conneries, dis des choses. Dis à la fille que t'aimes que tu l'aimes et voilà. Tu verras si ça se passe bien, ça se passe bien, si ça se passe bien, ça passe pas bien, bah ça se passe pas bien. Et voilà, ça c'est pas grave. Ça, tu mourras pas ce soir ni demain. Donc t'inquiète pas. Mais c'est trop mignon ce que tu dis. Je trouve ça trop chou. J'adore. Trop mignon. À dire à une fille que je l'aime. Oh, c'est trop mignon, j'ai envie de mourir. Je vais mourir de pleurs, je pleurais. Au travail, en vrai, en y repensant, j'arrive à rire de mes râteaux avec mes potes. C'était râteau, j'adore le mot râteau. Ah, il fallait juste du bois normal pour fabriquer ça? Je crois qu'il fallait du métal, moi. Bah alors. Qu'est-ce que je voulais fabriquer là? C'est pas une table de craft que je voulais fabriquer, c'est ça. Mais non, qu'est-ce que tu me fais chier là? C'est pas vrai, j'ai pas la place dans l'inventaire. Bon, je vais replanter les arbres. Je sais pas ce que je fais avec ça dans les pattes aussi. Ah mais j'ai pas de place, putain, faut que j'aille de l'autre côté. Et je vais les mettre ici. Tu vois, prends pas tout à la légère, prends pas du tout les choses à la légère, faut pas faire ça. Mais prends-les pas non plus trop au sérieux. Lâche-toi, rigole. Sinon, quand tu seras vieux, tu te diras bah, j'ai fait le con, j'ai pas profité quoi. Donc amuse-toi, dis à la fille que si t'aimes une fille, dis-lui que bah, t'as des sentiments pour elle et fonce. Au pire des cas, ce sera peut-être pas celle avec qui tu vivras ta vie et voilà quoi. C'est pas grave. Si elle te dit non, si elle t'envoie chier, c'est qu'elle est conne. C'est qu'elle sait pas ce qu'elle perd. C'était un voyage scolaire, j'avais la flemme d'aller à la boum. En vrai, en y repensant, j'ai... Ah oui, la boum. Ah ça aussi, la boum. En vrai, c'est trop bizarre parce qu'à l'époque, genre tout ce qui est danse et tout ça, genre boum et tout, mais moi j'avais pas envie, je voulais pas y aller, j'avais peur d'y aller, je voulais pas y aller parce que j'avais peur qu'on me montre du doigt en fait. Mais en vrai, tu t'en fous. Vas-y, danse, fais des... Si tu sais pas danser, mais c'est pas grave. Fais des dabs. Fais des trucs trop drôles, amuse-toi. Justement, en fait, crois pas que les gens se foutent de ta gueule. Et puis, s'ils se foutent de ta gueule, tu les défonces. Tu leur mets un coup de poing. Non, pas de violence. Mais tu te défends, tu te laisses pas faire. Mais ils se foutent pas de ta gueule. Et puis, si rigolent, bah rigole, rigole. Et tu verras que si toi, s'ils voient que tu rigoles et que t'es pas en train de te rabaisser. Bah, ils vont se dire, bah merde, ils se laissent pas aller, ils se laissent pas faire. Donc, c'est un truc comme ça, et t'as peur que les gens te voient et te montrent du doigt, fonce. Ils te montreront du doigt, quoi qu'il arrive. C'est ce que j'ai appris. Les gens te montreront du doigt, quoi qu'il arrive, que tu fasses un truc bien ou pas. Donc, tant qu'à faire un truc, bah fais un truc, quoi. Tant qu'à faire un truc, que ce soit bien ou pas, fais-le. Amuse-toi. Plus tard, quand tu seras plus vieux, tu t'en reparleras, tu diras, merde. Qu'est-ce que j'étais con à cette époque. En vrai, avec tous les garçons de voyage, quand Tripoliski a été mis, on a tous sauté, c'était fou, c'était ouf. Je vois pas ce que tu parles, mais si tu veux, oui. Tripoliski, c'est quoi ça? C'est un footballeur encore? Je bougeais même pas pendant 3 heures dans le lit. Ah ouais, effectivement. Mais c'est trop marrant, c'est ces années où tu te dis, bah... En fait, quand t'es plus vieux, tu te dis, mais il y avait quoi qui m'empêchait en fait? Il y avait rien, c'est juste. T'avais peur que les gosses se montent du doigt à côté, qu'ils se de ta gueule ou autre, et voilà, c'est débile. Parce que en vrai, bah, tu t'en fous qu'ils se foutent de ta gueule. Tu t'en fous totalement, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, maintenant, venez, montrez-moi du doigt, c'est pas grave, je rirai aux larmes. Je serai mort de rire parce que moi, je suis bien sur moi. Que vous soyez gros ou pas, ou mince ou pas, on s'en fout, amusez-vous. Les gens qui critiquent, c'est ceux qui se sentent le plus mal sur leur peau, quoi. Allez danser, yes. Et les garçons, mais il n'y avait aucune fille qui disait allez danser. Ah mais les filles aussi, elles ont du mal, hein, elles ont peur. Hein.
elles sont en mode nana, danser, c'est pas pour nous. Et puis après, quand elles ont 18 ans, t'inquiète pas qu'elles dansent. Hein. Ah là, 16, 17 ans, 18 ans, mon pote, ça remue les fouets, les popotins là. Ah, ça y va là. Ah, ça bouge son cul comme ça là. Tara, tara, tara. Ça y va, hein, t'inquiète. Hein. Par contre, quand c'est le début, quand c'est 14, 15 ans, elles sont là. Oh, yo, moi, je suis pas mon truc, moi. Puis après, quand t'as 18 ans là, ah, ça remue le popotin. Ça y va là. T'as le popotin qui remue. Hein. Je l'ai vu, je les vois, moi, les filles remuer le popotin là. Entreposer. Alors, hop, est-ce que je peux entreposer le bambou? S'il te plaît. Ah putain, mais genre j'ai trop de place. J'ai plus de place, pardon. MDR, tu parles comme un père. Ah non, mon dieu. Mon dieu, ça y est, je suis un daron. Ça y est, je suis un daron. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai 12 pépites de fer. Trop bien. Quand est-ce qu'il arrive le musée que je puisse... que je puisse mettre les fossiles dans... Dans le musée là, de plus avoir des merdes partout. Ah mais mini établi. Ah mais je vais mettre l'établi. Attendez. Aussi je peux le mettre ici. Je vais mettre ici. Voilà. Mon dieu, je parle comme le daron qui apprend à son fils la vie. Ouais, c'est ça quand on a de l'expérience, c'est que ça commence à... Entre guillemets, à ressortir sa suinte. L'esprit papa, suinte de notre corps quand on vieillit. J'ai pas encore 30 ans, mais... Attendez, ne me faites pas vieillir trop vite. Alors il y a un établi à l'intérieur du coup. Est-ce que je peux construire à l'intérieur? Oui. Veux-tu bricoler quelque chose? Yes, ça fonctionne. Parfait, écoutez, on pourra construire ici. Du coup, est-ce que j'ai l'aspirateur? Est-ce que j'ai le... Non, pas la lumière. Est-ce que j'ai le... Comment il s'appelle? Alors non, bah, du coup on va sortir parce que les touches qui servent à faire les raccourcis, c'est pas les mêmes dans la maison. Heureusement que la boum m'a un peu sauvé la dernière journée en voyage. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? L'ocarina n'a pas besoin. Ok, l'ocarina n'en a pas besoin, on va le remplacer par l'arrosoir. Que je n'ai pas fabriqué, s'il est là. Ok, arrosoir, ajouter au favori, et on va mettre contre l'ocarina. Parfait. Du coup, je prends l'arrosoir avec moi. Hop, et on va arroser les plantes. Putain. C'est vraiment une plante par une plante cette connerie. Enfin, je vais arroser les pousses aussi. Ah, faut bien viser. Ça marche là? Ah, je crois pas. Ah, super, j'ai visé à côté. Ah, arrête de viser à côté! Il va se casser mon arrosoir. Putain, j'en ai marre. Ah, j'ai réussi. Ça fait pas de petites bulles, donc j'imagine que ça a pas fonctionné. C'est pas fou alors. Bah, tant pis alors. En vrai, ça a marché la première fois que tu te prends un râteau. Ça marque la première fois que tu te prends un râteau. Bah, ouais, c'est vrai. La première fois que je me suis pris un râteau, bah, de la même fille, je m'en suis pris 5. Ah, j'étais un acharné à l'époque. La même fille. Je l'ai harcelé, après j'ai commencé à comprendre que c'était pas bien le harcèlement. J'ai dit, attends, mais c'est pas normal ce que je fais en fait là, parce que là elle doit en avoir marre un peu que je sois derrière son cul. Du coup j'ai arrêté, je fais ça se fait pas trop ce que je fais là. Harcelez pas les gens les amis, c'est pas bien. J'ai l'expérience de l'avoir fait, c'est pas fou. Ouais, le forceur voilà. Ouais, mais je savais pas ce que je faisais, j'étais gosse. Moi je savais pas, je pensais que c'était pas mal. C'est après quand tu te rends compte, quand tu vieillis, que tu dis bah en fait ça se fait pas du tout de faire ça. Ça se fait pas du tout, faut pas faire ça. Ah, une petite chevaine, non c'est une vandoise. Moi j'ai essayé 2 fois, j'ai essayé 5 fois, moi tu te rends compte. Puis après, par contre j'ai essayé 5 fois, puis après j'essaie plus jamais. Sur plus aucune fille j'ai essayé. J'ai abandonné après pendant, jusqu'à 18 ans, j'ai abandonné, c'est tombé, c'est bon. Je m'amusais, je jouais à ma place à ma Xbox. Tant pis, les filles elles viendront plus tard. Ah, c'est bon, petit poisson. Putain! Ah, petit poisson, parfait. Attendez, je vais mettre le chat de YouTube. Pourquoi il veut pas se mettre? Ça y est, ça me saoule. Alors.
It wanna be alright. Baby dooby doo da. Baby dooby doo. Vas-y, go les amis. Alors, par où on va? Jutz. Bah saute. Bah alors. Il avait peur de faire le premier pas, vous avez vu ça? C'est vrai, c'est mieux de l'air avoir comme ami, de les avoir comme amis avec mes potes. En plus, on se tape des grosses barres. En vrai, c'est mieux de les avoir comme amis avec mes potes. En plus, on se tape des grosses barres. Ouais. Ah bah oui. Ah les amis avec lesquels on rigole très souvent. Qu'est-ce que je rigole avec mes amis moi? Ah, qu'est-ce que c'est drôle. Hop là, ma petite souche. Tape des barres avec les potes. Alors. Allez les gens, go 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 go. That'll be alright. Bada dee doo da. Bada dee doo da. Allez go go. Yes. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Une loge d'étang. Ok. T'imagines pas le mot de un de mes amis, tu vois, le genre de gars qui fait rigoler tout le monde. Ah oui, d'accord. C'est un comique. C'est un clown. Moi, avant, on m'appelait le clown chocolat. Parce que je passais mon temps à faire rire les filles. J'avais tout compris déjà. Étant gamin, j'avais tout compris. Les filles, il faut les faire rire. C'est comme ça que t'as atteint leur cœur. Tu les fais rire et elles sont directes dans ta poche. Mais moi, je passais pas à l'étape suivante. Juste, je faisais rire. J'étais plein de bonnes intentions. L'étape de copain-copine, je passais pas. Je restais à je te fais rire. J'avais pas totalement tout compris. Allez, du coup. Hop là. Vas-y, casse-toi, toi. Moi, en cours, je fais rien, mais dans la cour, je me lâche et on fait nimpe. Ah, c'est bien ça. Ne fais pas de conneries en classe. Pas de conneries en classe et amuse-toi dans la cour, t'as raison. La cour, c'est fait pour ça, c'est fait pour te défouler. Que ça existe la récréation, sinon on deviendrait fou nous autres humains. Qu'est-ce que je peux échanger? Je vais aller vendre des trucs tout à l'heure, ça m'énerve d'avoir des choses avec moi là. Je peux rien prendre à cause de ces conneries là. Putain de merde. Oh mais j'ai pris la perche. Là voilà. Hop. Alors là c'est la maison, et là-bas c'est la petite. La petite, ça c'est la mairie, c'est censé être la mairie mais c'est une tente encore. I'd rather be alright. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois vendre ça là. Emmerich, ta maison elle est ouverte ou pas? Tu vois quoi à vendre? J'achète moi des trucs. Si t'es toujours là bien sûr. Je sais pas si t'es toujours connecté. Je vais aller voir après. Alors le papillon. On va voir les bambous. On va voir combien ça rapporte le bambou. Alors les cailloux, je vais les garder parce que j'en ai tellement pas chez moi. Je peux ouvrir. Vas-y, ouvre s'il te plaît. Je vais venir voir comment il est chez toi. Comment est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as amélioré? Demain matin, entre 8h et midi, je reçois la PlayStation 4. Alors, clac, 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 clac. Porcelaine. Non, peau succulent. Oh, peau succulent, on peut l'enlever. Pelle, non, oh, on peut en vendre une. Ça je le garde, c'est un poisson rare, ça je le vends. Ça va en 20. Là je vais en trouver d'autres, hein. Je le porte, ça je le garde. Ok, ça devrait être bon. Mais prends pas de fruits car j'en ai besoin. Ok, je touche pas les fruits. 800 clochettes, c'est pas mal ça. Attends, je prends un peu de thunes pour pouvoir acheter des trucs chez toi. Tu dois certainement avoir des nouveaux objets toi. Je vais aller chercher... Qu'est-ce qu'il a encore lui?
Le Zoukphone. Ah merde, c'est là-haut. Ok, vas-y. Normalement, hop. Là, j'ai vu qu'il y en avait un aussi. C'est combien? C'est 500, ça? 500. Parfait. Ça, c'est cool, ça. Ok, ok, ok. Après, je vais aller voir si je peux avoir la fibre, moi. Essayons de choper des poissons pour les revendre. Ah, las fritas. C'est ouvert. Ok, merci, j'arrive. Est-ce qu'on peut pêcher chez toi? Si on peut pêcher, je vais venir pêcher chez toi. Ouais, je vais venir pêcher chez lui, c'est pas grave. Ça, au moins, je ferai ça chez lui. J'ai pas mes petites lunettes, là, histoire de pas me niquer les yeux. Elles sont là. Bah oui, MDR. Elle te fout pas de ma gueule, hein. Je savais pas, moi. Bah, je sais même plus si j'avais essayé de pêcher chez Cayenne ou toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux voyager, s'il vous plaît, monsieur. Ok, ok. En ligne, et je vais aller voir un poteau. Ok, ok. Connexion internet, hein. Espérons que ça fonctionne, internet. Alors, je veux aller chez un pote dans ma liste d'amis. Comment t'as réussi pour être avec Kaelian? Comment t'as réussi pour être avec Kaelian? Tu rentres dans le privé, mais j'ai rien fait. Alors, j'ai dragué avec la Nintendo Switch. Je te jure que c'est véridique. J'ai dragué avec la Nintendo Switch. J'ai juste... Tout ce que j'ai fait en fait, c'est jouer avec elle à Mario Kart et à des jeux comme Pokémon Tournament. Et puis, tout seul, on s'est rendu compte que ça s'assemblait bien. Voilà, c'est tout. Et du coup, bah, on s'est mis ensemble au bout d'un an, ou deux ans, je sais plus, deux ans, je crois. Mais voilà quoi, ça s'est fait tout seul. Y a pas eu de... Je me suis pas posé la question, je me suis pas dit tiens j'ai envie d'être avec elle, tu vois, j'ai juste rigolé. Je me suis juste amusé et ça s'est fait tout seul. Au bout d'un moment, bah, on a vu que ça se rapprochait plus quoi, c'est tout. C'est tout, rien de plus, rien de moins. La passion du jeu vidéo, ça fait tout. ouais, totalement, Nintendo forever. Allez Emmerich, j'arrive chez toi. Quick, quick. En vrai, je l'ai vu dans la rue, j'ai pris ma massue de Cro-Magnon, je lui ai tapé derrière la tête comme ça, bam! Je lui ai tapé derrière la tête et je lui ai tiré par les cheveux dans la grotte. Je l'ai emmené dans ma grotte par les cheveux, et voilà, hop, c'était ma meuf. Je vois ça, MDR, la passion du jeu vidéo. Je baille. Oh oui que je baille. J'arrive. J'arrive, Battle Royale, c'est moi. Je vais sortir et descendre avec ma mitraillette et te tirer dessus. Oh là là, regardez, il a ah mais il a des petits poteaux avec des ficelles lui. Vite, 1h48 heure locale. T'es encore sur le jeu après alors que tu l'as commencé à 8h. Putain mais elle a pété un câble ta copine. Ta fiancée. Oh il pleut! Oh il pleut! Oh non, j'ai pas de parapluie! Comment on fabrique le parapluie? Je crois qu'il faut des mauvaises herbes. Yo, t'as un parapluie pour moi? Ah! Ah! Il pleut! Il pleut! Au secours! J'ai pas de mauvaises herbes pour fabriquer le parapluie! Il y a un truc d'eau là. Ah, c'est marrant ce qu'il a fait. Il a mis des transats, regardez-le. Avec un nain. Il a mis des transats. Ah putain, ce mec, c'est un constructeur quoi. Sous la pluie et sous le transat. Oh, il a une petite bouche de lapin ou d'écureuil ou je sais pas quoi. C'est trop mignon. Je me casse.
Merde. Putain, mais ils ont tous un parapluie sauf moi là. Ah là, non, putain, mais il me faut. Y'a un bruit que t'as pas un parapluie. Ah, mais il a mis du sol et tout, y'a carrément des chemins maintenant. Y'a un arbre qui est devant le chemin. Y'a des chemins carrément chez lui. C'est une bouchée de chat. Ah, c'est une bouche de chat. Y'a des. T'as enterré des trucs ou c'est. C'est quoi, c'est pour un cache-cache? Ou c'est des fossiles? Attends, je te les sors. Ah ouais, c'est des fossiles. Non fossiles. T'as plus de place dans l'inventaire ou c'est pour ça que tu les as laissés dans la terre? Alors. La petite pelle. Hop, loupé. Loupé encore. Pas encore déterré. Ah bah voilà, ils sont déterrés. Vas-y, je te les donne si tu veux, je sais pas où t'es. T'as plein de personnes chez toi, c'est ouf. MDR, j'ai compris comment on drague maintenant, il faut que je m'achète une deuxième manette. Énorme. J'ai compris comment on drague maintenant, il faut que je m'achète une deuxième manette de Xbox et acheter des jeux cool à jouer à deux. À deux personnes, merci Lovely. Ouais, c'est exactement comme ça. Et surtout, essaie de prendre quelqu'un qui a les mêmes passions que toi. Parce que au moins, vous pouvez les échanger vos passions ensemble. Ça, c'est cool. Tiens, il me pousse pas là. Alors. Je suis en train de lui remplir son musée, MDR. Mais j'ai pas de parapluie, putain, et j'ai même pas d'herbe pour faire du parapluie. T'as pas de l'herbe pour fabriquer des parapluies, Emmerich? Ah, chiotte alors. Bon, je vais à la boutique pour voir s'ils en vendent. On va essayer. C'est la première fois que je vois qu'il pleut dans le jeu, c'est trop marrant. La mairie est trop bien. Je t'en fais un. Ah, il était coincé. Y'a Orion, y'a Orion Pathé qui est venu sur le bureau là. Ouais, ils sont dégueulasses les personnages. C'est une chèvre ça, mais c'est la chèvre miel. Oh là là, chèvre miel, comment tu vas? Gros nom. Ok, ça sert à rien. Où c'est qu'on doit acheter? Alors la boutique elle est où? Je sais pas où est la boutique de. Sa boutique à lui, y'a trop de maisons, c'est n'importe quoi, c'est même plus un. C'est même plus une île, c'est un. C'est une communauté le truc. Je t'en fais un. Ça c'est peut-être la boutique, mais c'est peut-être fermé. Ah merde, c'est fermé. Ah putain, c'est fermé. C'est quoi, c'est la boîte où les gens mettent les trucs dedans ou pas? Oula, qu'il se passe quoi? Ah, situation réservée aux habitants. Merde. Ah c'est ouf tout ce qu'il a fait lui. Bah tu me dis quand tu me le donnes le parapluie. Là, je suis triste, je veux pas aller dans ta boutique. C'est quoi ça? C'est un robinet? Non, je veux ouvrir le robinet, je veux pas l'utiliser. Je veux pas le casser, wesh. Ça marche pas? Il bouge du cul. Tu bouges le cul, mon chien? Mon chien. C'est mon chien. Yo. Je me demande si t'as un fruit que j'ai pas, moi. Attends, je vais regarder. Est-ce que tu as... Je vais te demander un truc, Emmerich. Je t'en fais un. Et là, boum, il avait mis du joule, mais le mec avait vite enlevé un puits. Tant mieux. Et puis tant mieux. J'ai un puits. J'ai trop pensé à gros puits. Création. Le truc avec les fruits, c'est là-dedans, je crois. Alors, les fruits. Les fruits, c'est où? Les fruits, c'est où? Corne d'abondance, fruits de tous les goûts. Alors, ça, c'est quoi ça? Cerise, poire, pêche, pomme et coco.
Est-ce que t'as un troisième, un quatrième fruit, un cinquième fruit que je n'aurais pas, Emric? Tu me l'as donné le parapluie ou pas? Il l'a mis où? Enfoiré. Il ne devra pas me laisser sous la pluie. Ah, pourquoi tu le fais pas toi-même? Y'a pas d'appel? Là, je suis pas ton kleps, hein. Près du feu de camp. Ah, l'enfoiré, il l'a enterré. Le connard. Merci. C'est gentil. Il est où le compte parapluie? Il est là. Ah, pff, il a fait un parapluie en feuille. Bon, c'est parfait. Ça suffira. Attendez, je fais une petite capture d'écran. Voilà. Pour montrer à Kaelian. Ah, il a mis des troncs, un pneu enterré comme ça. Je peux pas passer les objets comme ça quand il y a du monde sur l'île. Bah, tu peux les poser par terre normalement, juste. Mais c'est bon, ça suffit, le petit parapluie feuille. C'est mignon, ça fait Totoro. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Je disais que je voulais... je voulais quoi? Ah oui, un fruit. Est-ce que t'as un fruit? Je sais que t'en as besoin, mais... Pomme G, cerise G... je sais pas si t'as réussi à avoir le dernier fruit, toi. Il y en a un autre, là. T'as eu des mots ou pas? Je peux passer les objets comme ça? Non, il me le manque. Ah, t'as pas de chance, alors. Donc ça veut dire qu'il te le manque aussi? Il y a du fossile dans l'air! Merde, du coup t'as pas le fruit aussi? Bah du coup merde alors. Ça c'est con, ta boutique elle est fermée. Ah c'est ça, c'est chiant par contre, la boutique ça va fermer de 8h à 22h. Ça t'oblige à jouer de 8h à 22h. De 8h à 22h, c'est quoi ça? Eh, c'est quoi cet animal là? C'est quoi la petite roqueuse? Elle est trop marrant. C'est quoi comme animal? C'est un dragon? On dirait un dragon. On dirait un dragon. Jason. C'est une roqueuse. Eh, tu peux me dire aussi pourquoi mais les gens que j'ai invités, ils viennent pas sur mon île? Je comprends pas. Pourquoi ils viennent pas sur mon île? Pam pam pam. Yo, on va aller voir au musée ce que t'as découvert. Il est magnifique le musée qu'il a fait là. Pum pam pam. Oh là là, est-ce qu'il a découvert des nouveaux poissons? Voyons voir. J'en ai plein des nouveaux poissons. Et j'ai pas encore le musée pour les mettre. C'est demain que je l'aurai le musée. En même temps que la PlayStation 4. Ouh, il a un esturgeon comme ça là. Très joli. Comment ça s'appelle celui-là? Esturgeon. Acheté, attrapé le 23 mars. Il y a plein de petits poissons, regardez. Trop mignon. Ah, ça, c'est vide. Et du coup, ça, c'est censé être quoi, ça? Le musée de quoi? Nous comptons sur vos donations pour enrichir les collections du musée. Ok. Ok, il y a quoi de ce côté-là? Il y a rien dans celui-là? Ah, je peux m'asseoir, MDR. C'est trop marrant, il y a des bassins en mode pas forcément... Oh, c'est génial. En plus, on peut les regarder comme ça. C'est trop cool. On peut apprendre des choses, regardez. On apprend des choses. C'est trop mignon de voir les petits poissons comme ça. Oh, j'ai hâte d'avoir des requins et des gros spécimens à mettre là-dedans, là. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai déjà un jeu où on peut jouer à deux, c'est FIFA. Faut trouver la meuf qui aime FIFA, quand même. Hein. Ça, je crois que c'est un peu plus difficile que... Tu vas avoir un peu plus de mal que ce que je pensais. Il y en a, hein, mais il faut trouver la meuf qui aime FIFA. Hein. Oh mais c'est super grand. Ah, il y a un poisson là. Ah mais c'est les poissons des abysses. D'accord. Ah mais moi je l'ai le trilobite là. Il faut mettre là. Les trilobites, ça je les ai. Tu les as pas apparemment. Énorme, on peut passer à travers comme ça. Hop. Bah, c'est par là. Ouais je sais. Ouais avec FIFA ça va être compliqué. Animal Crossing, c'est pas compliqué, ça irait. Mais avec FIFA, toutes les meufs, quasiment toutes les meufs aiment bien, mais il y a beaucoup de filles qui aiment pas, mais... Oh, il y en a plein, regardez. Il y a plein de petites limaces là-dedans, c'est trop joli. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non, il n'y a rien du tout. Là, il y a quoi, là? Ah, là, il y a des gros poissons. On peut en mettre beaucoup ou pas, des poissons là-dedans? Ah, oh, regardez, Moyen-Âge.
Oh, ils sont trop beaux. Ils nagent, regardez-les. C'est génial. Je vais aller voir le musée des fossiles pour voir ce qu'il y a. Et puis si on n'a pas dans le même camp, on n'est pas dans le même camp et que j'ai gagné, ça va rager. Ah bah oui, mais c'est ça qui est bien aussi. Quand t'as des différends avec elle, allez hop, Mario Kart partie là. Mario Kart, une petite partie pour se départager, pour se venger. Ça c'est super joli par contre, avec les projections depuis le plafond. Ah si, il a pas de trilobite, mais il a ça là. Oh, il a une méduse chelou là. Oh regardez, il a un... J'adore ce poisson. Comment il s'appelle le poisson? Putain, y a pas écrit. Merde. Trop beau, c'est des fossiles de poisson. Tum. Tum. Ouah, tout ça. Moi aussi j'ai plein de fossiles à mettre. J'ai hâte d'avoir tous les fossiles. Oh, il est beau celui-là. Il y a des queues, il y a juste des queues là. C'est trop marrant. Oh, il l'a entier, regardez. Oh, la chance. Ah. Pachycéphalosaur. Merci de nous aider à compléter le squelette. Triceratops. Triceratops, c'est magnifique. Oh, le T-Rex, il est génial. J'ai le cul du T-Rex, moi. J'ai le cul du T-Rex, moi, le Tyrannosaur. Tyrannosaur Rex Predator. En vrai, je fais profiter de ma vie. Je vais profiter de ma vie de célibataire. Ouais, c'est pas mal ça non plus. Ça aussi c'est pas mal, t'as raison. Profite parce qu'après tu pourras plus profiter. Bah tu profiteras pas de la même manière, c'est tout. C'est quoi ça? Ah, c'est la météorite! Ouah, c'est animé et tout. Ouah, badass. C'est giga badass ça là. Comment il l'a eu? Ouah, c'est badass ça, Emmerich, c'est ouf. Oh, je vais essayer d'envoyer un message. Comment je peux envoyer un message? Ça, c'est trop ouf ce truc-là, là. Il est surkiffant ce truc-là, là. Oh, trop badass. Une figurine en mode destruction de la planète avec le... La cause, la truc qui a détruit. Waouh! Il y est par défaut. Ah ouais? Ah, c'est triste, ça aurait été marrant de pouvoir le payer pour l'ajouter. D'essayer d'ajouter comme ça des améliorations. C'est énorme, le musée est vraiment magnifique. C'est ouf les univers qui te font dans les jeux quand même. Ah, j'ai jamais été voir le truc avec les insectes, Emmerich. Je vais aller voir. Tu viens avec moi? Ouais, première découverte de la serre aux papillons. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est joli? Il y a des arbres, il y a des abeilles là. Est-ce que je peux... Ah, je peux pas bouger les abeilles. Ok, c'est que des arbres. Là, il y a un gros arbre avec des insectes. Ok, il y a une sauterelle ou je sais pas quoi, je crois que c'est une sauterelle. Il y a une cascade là. Oh, il y a une cascade. On peut sortir. Ah, trop beau, il y a une cascade. Ah ouais. Je marche dans l'eau là. Ah oui, il y a des flaques d'eau. Et sous les papillons. Ah, sur les papillons. C'est joli, hein, c'est pas mal. Il y a une araignée en dessous du banc. regarde en dessous du banc, Emmerich, il y a une araignée en dessous de tes pieds. Ah, sur... Ah, t'as... Ah, t'as une menthe religieuse. Eh, j'ai pas la menthe religieuse, moi. Trop belle. Ouah, t'as une menthe religieuse. Et là c'est quoi, un bassin avec de l'eau et des trucs ou pas? Peut-être qu'il y aura des araignées d'eau là-dessus. Ce serait cool. On fait un cache-cache. Tu te mets là. T'es un gros bâtard, tu te mets là, tu sais. Coucou. Je sais pas si c'est un... Fais voir. Faudrait que je me mette spécialement ici, pas qu'il me voie. Comme ça. Faut pas être vu, faut que je me mette là comme ça. Ici, plus à gauche. Comme ça. Attends, vas-y, mets-toi là. Pour voir si je te vois ou pas. Non, vas-y, remets-toi. Remets-toi ici. Mets-toi ici. Alors, vois tes pieds. Un peu à gauche. Vas-y,
pas à gauche. Là, je te vois pas. Et là, je vois ton nom. Voilà, parfait. Là, si je fais ça, en vrai, je te vois pas du tout. Hein. Là, je vois un tout petit peu de ton nom, mais que dalle. Et si je peux faire, si je fais ça, je peux carrément passer sans te voir. La cachette, elle est géniale. Là. Je peux carrément passer sans te cache. Si on, un jour, on fait un cache-cache dans le musée, genre avec un chronomètre et tout ça, je peux carrément passer sans te voir. Tu te mets derrière, juste, tu te mets juste derrière des zones comme ça, des arbres où personne te voit. Je sais pas ce que c'est la sortie, peut-être que c'est la sortie du musée, je vois. Je trouve que c'est par derrière. Je trouve s'il y a quelque chose derrière, derrière le musée, ce serait cool. Oh! Mais c'est pas fini en plus! Wow. Donation de Emmerich. Un petit Bernard l'ermite, le pauvre il est enfermé dans un aquarium quoi. Il se passe quoi là? Wouah, regardez, il y a une migale! Oh, il s'est mis devant le salaud. Oh, un mille pattes. Moi j'aimerais bien un scolopendre. Ah la migale elle est magnifique. Trop jolie, j'adore les araignées. Mais là ça devrait être des fourmis, non? Oh c'est une fourmilière! Oh c'était une fourmilière. Ah oh, il y a des papillons avec des cocons. Oh il y a des popons, il y a des cocons de papillons. Trop mignon, il y a trop, il y a vraiment plein de trucs. Regardez, ils sont sortis de, ils sont sortis de l'œuf. C'est trop joli, mais c'est génial. Et là, il est tranquille, regardez-le, il est là, le petit papillon de nuit. Il est peinard, mais c'est pas mal, hein. Comment il a... T'en rends compte, de 8h à, 22, à maintenant, quoi. Faut y aller, quand même. Oh, je me cache vite. Merde, il m'a vu. Il va m'entendre. Est-ce que j'ai eu le temps de disparaître? Ah mais il a toujours mon live donc ça sert à rien. Ça c'est vraiment... J'aime bien cet endroit là avec le... on peut avoir une vision plus, plus grande. C'est joli hein. Vas-y regarde la caméra. Une petite capture d'écran. J'ai une tête de bite, c'est n'importe quoi. Suis-moi. Alors bouge pas. Ah, putain le salopard. Je les brain. Ouais, tu me dis je te suis ou pas? Il se fout. Il me dit suis-moi et après il attend de faire des allers-retours. Du coup, pour Noël, t'offres une Switch à Archie Weasley. Bon, non, je suis pas sûr qu'il soit très. C'est un pote à moi, mais est-ce qu'il est méritant? Oui, c'est marrant. Effectivement, c'est marrant. C'est très marrant. J'ai que les paye. Est-ce que je peux regarder ici? Ça marche pas? Ça marche pas. Oh les bruits de pas ça fait limite à ASMR. Les meilleurs amis du monde. Ce poisson là je l'ai, est-ce qu'on peut en mettre plusieurs dans le bac? Ah oh, il est capable de se lâcher tout seul la Switch. C'est un peu cher comme cadeau hein. 300€ c'est balèze hein. Même 150€. T'as oublié que j'ai pas de thunes. J'ai du mal à acheter des trucs pour moi, alors c'est pour acheter pour tous les autres. J'adore cette partie-là. On pourrait limite mettre, des tortues ici. Ah, il y a des calamars, des poissons, et moi j'aimerais bien qu'il y ait des tortues. Il n'y a pas de tortues, c'est débile. Regardez, ça mérite une petite tortue, ça. Mettez pas une tortue là-dedans, s'il vous plaît, c'est pas possible. C'est un coup à crever, la tortue, là. Oh, ils auraient pu mettre une tortue dans celui-là, là. Ou un crocodile. Un crocodile ou une tortue? Il va venir, regardez-le.
Ah, il a pris le petit sac aussi. Ah, il est content, lui, de jouer à ce jeu. Il est en surkiff, lui. Il est en surkiff total, Emery. Grave, sympa, moi, je le connais mieux et on se connaît dans la vraie vie et je le considère comme un frère. Il y en a à attraper. Qu'est-ce qu'il y en a à attraper? Des tortues? Ah ouais, trop bien. Tu connais Archie dans la vraie vie, Jupiteri? Ça m'étonnerait. Ah, trop bien, il y a des tortues à attraper. Y a pas des... C'est dommage qu'il n'y a que le musée comme visite dans le village. Dans Animal Crossing. Ah merde, je peux pas... J'ai voulu sortir par là pour me cacher, mais j'ai pas pu. Pas eu le temps. Il est en train de se dire qu'est-ce qui se passe. Oh, il y a une boutique là. Oh, l'histoire de voix de fée, l'enfoiré, il l'a. Ah merde, je l'ai pas ça, moi. J'ai pas la boutique, alors l'histoire de voix de fée. Oh, le salopard. Bah écoute, je vais y aller, hein, je vais aller... Je vais aller me coucher, moi, je pense. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Enfoiré, je pensais pas que ça allait casser la fleur. Oh, il a une cascade et tout! Putain, mais j'avais même pas fait attention à ça. Putain, t'as de la chance, ta place de village, c'est une vraie place de village, quoi. Regardez-moi ça, regardez. Il y a ma petite rambarde et tout. Tout est super bien placé. Tout est placé pour être placé, quoi. C'est nimp. Moi, je continue. Tu vas te coucher, tu vas jamais te reposer. Comment tu fais pour te lever tôt après toi? Je sais pas comment tu fais. Ok, bah du coup moi je vais y aller du coup, Emric. Je quitte du coup ta petite île, je sais même plus par où partir. Par où on part? Ah, c'était par là. C'est par ici. Le mec il s'arrête plus. Il y a encore des trucs à découvrir dans le jeu, j'ai l'impression que t'as tout fait. Moi, je dois me réveiller tôt demain pour la play. Donc, il faut que je quitte. Bonsoir, je rentre chez moi. Allez, go! À la maison! À la maison, la team! Pam 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 pam. C'est un peu flou, là, j'ai l'impression. Là, c'est mieux. Oui, il y a plein de choses. Bah bravo, j'ai raconté ma vie. Ouais, c'est pas grave. Tout le monde raconte sa vie. Sinon, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte dans notre vie? À part raconter notre vie. Allez, go. Pam 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 taram pam pam tarara pam 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 taram pam parabaram. Ça fait déjà 2 heures de live. Tu peux vérifier. Si, je peux pas boucler les formalités. Pourquoi? Pourquoi il dit qu'il peut boucler les formalités? Ah, c'est un mec qui devait être dans son inventaire ou je sais pas quoi. J'étais en mode, what? Pourquoi je peux pas partir? Le ciel t'attend. J'espère que ça intéresserait quelqu'un au moins. Oh, si, on... Yes, désolé. Ah bah voilà, c'était pour ça. Mais oui, t'inquiète, ça intéresse beaucoup de personnes. On échange, on papote, on rigole. C'est ça, c'est le but de mes streams, hein, c'est qu'on s'amuse et qu'on papote ensemble. Qu'on échange. C'est ça, ce qui est bien aussi avec YouTube et tout ce qui est Twitch et YouTube, c'est que on crée une communauté, on est tous ensemble, on rigole, on s'amuse. Après, on n'est pas non plus les meilleurs amis du monde, mais on s'éclate, quoi. On est là pour partager. Et ça, c'est cool, ça. Ça, c'est une bonne chose. La meilleure chose qui existe au monde, quoi. Pouvoir partager comme ça avec des personnes qu'on connaît pas de base. Emric, toujours sur Animal Crossing. Il s'arrête jamais, lui. Bon, bah, je vais aller sauvegarder, moi. Et après, je vais quitter et aller checker un peu. Et justement, il y a l'insecte que je voulais, là. Ah, GG. Il y a l'insecte que je voulais... Attends, je vais choper l'insecte qui est là. Ça me fera de la thune en plus.
Hop là, je t'ai chopé direct. Allez, je vais sauvegarder, je vais enlever mes vêtements. Et me mettre au lit. Je parle dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie, hein, pas dans le live. Hein. Ok, déjà, la lumière est trop forte. Alors, c'est où mes chaussons? Qui c'est qui a rasé mes chaussons? Paire de chaussettes rayées. Et sous mes chaussons. What? Où sont qui sont mes chaussons là? Sous mes chaussons. C'est qui m'a pété mes chaussons là? Putain, qui m'a pété mes chaussons? Hop, j'enlève le masque. Ah bah les voilà les chaussons. Hop. Ah mais j'avais déjà les chaussons. En fait, depuis le début, je marche avec les chaussons. Ah ouais, c'est pas sérieux, je l'oublie là. Un débardeur, regardez-le. Par contre, faudrait peut-être enlever le sac aussi. Allez, au dodo. Roleplay. Moi, je suis roleplay de ouf, moi. Hop, fais dodo. On fait une pause, yes, sauvegarder et arrêter. Allez, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. En plus, je vais pas m'occuper de ta vie, mais si t'as des problèmes familiaux, etc., le théâtre, ça fait un max de bien. Ok, c'est gentil de me donner des petits avis et tout, c'est intéressant. Il faut que je suive la formation aussi, ma formation, il ne faut, faut pas que je la loupe là. Il y a les vidéos de Ça fait con qui sont sorties sur la formation, il faut que je les regarde. C'est super intéressant, si j'ai payé aussi, il faudrait peut-être que je la suive. Je vais regarder un peu ce qu'il dit, et un peu aussi pour gérer un peu mieux la chaîne YouTube. Mais merci du coup, mais je sais pas si j'ai le temps de faire du théâtre, mais je peux m'entrer déjà et faire les exercices que Poisson Fécond il me demande de faire et tout ça pour... Il donne justement des exercices un peu théâtrales comme ça, où tu dois parler et essayer de t'habituer à parler devant les gens et tout ça, et même devant la caméra et tout. Donc je vais suivre ces petits conseils. Je vais remettre mes cheveux et ma calvitie précoce, non ? Je la cache, même si ça peut être un peu compliqué. Hein. Ils sont tout doux mes cheveux, mais justement vu qu'ils sont tout doux ils se placent pas, c'est con. Yeah boy, t'inquiète. Bon écoute les amis, Jupiteri, merci à toi d'être passé, merci d'être toujours là présent sur les lives. Merci Emric du coup aussi pour ta présence et tous ceux qui sont arrivés. Les nouveaux comme Mako As qui rejoint la Team Fox, Marie Mouette hier. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi les gens du live. Oh putain, excuse-moi, je sais pas c'est qui vient d'arriver. Mais du coup ça passe, ça va, j'arrête le live, je quitte le live, t'arrives quand je quitte. Des bisous à vous les amis, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve du coup demain pour un nouveau live. Et des nouvelles aventures et des rigolades, de la rigolade à donf, à fond. Plein de rigolades, la PlayStation 5, j'allais dire 5, j'ai du mal à dire 4. La PlayStation 4 qui arrive demain, j'espère que je vais mettre le coussin, je vais mettre le matelas de devant pour pas que, j'espère qu'il va pas pleuvoir, pour pas qu'il éclate ma console au sol, et je vous dirai demain s'il l'a éclaté au sol ou pas. Tu vois, moi il y a des spectacles à la fin de fin d'année, il y a au moins 400 personnes. Ouais, mais moi j'ai fait des spectacles de danse, je faisais du hip-hop avant, et il y avait 200 personnes, 200-300 personnes devant chaque fin d'année, devant chaque fin d'année. C'était assez flippant. Chaque jour pour le regarder, et je fais du tryhard. À demain Emric. Je fais du tryhard, du théâtre. Ah oui, du tryhard, je me disais c'est bizarre, il me fait du tryhard. Bon du coup, je prends tes conseils avisés, je les garde avec moi. Et j'analyserai ça quand je pourrai. Et merci beaucoup Jupiter d'être passé, merci pour ta présence. On se retrouve du coup pour demain, à demain pour un nouveau live, demain ou un autre jour si je suis pas là, on verra bien. Mais normalement je serai là, vous inquiétez pas. Des bisous à vous, reposez-vous bien, faites attention à votre santé, n'essayez pas d'attraper la merde que j'ai attrapée moi, genre comme si vous allez essayer d'attraper. Faites attention de rester le moins malade, enfin de pas sortir, de pas être tombé malade en fait, parce que vous pouvez trop toucher sur... J'arrive plus à parler putain. Vous pouvez tomber sur cette merde de corona. Et je peux vous dire que pour l'avoir essayé, elle est sacrément balèze. On dirait que j'ai essayé une nouvelle drogue et je vous dis de ne pas la prendre. Allez les amis, bonne nuit à vous, reposez-vous bien. Merci Jupiter d'être passé, d'être resté avec moi. Emric aussi. Je vous fais des gros bisous, à demain pour des nouvelles aventures. Merci à Team Fox, on se retrouve demain. Salut, salut. Reposez-vous bien, bonne nuit à vous.
Tu as arrêté cette année? Bah reprends. Si t'aimes ça. Des bisous, des petits cœurs. Salut, salut tout le monde. Qu'est-ce que tu racontes, Emric? Moi, je m'ambiance à chaque fin de live, m'ambiance. Ouh, I'm blind. Oh, putain, j'ai raté la parole là. J'ai pas en face de moi en même temps. Karaoké. C'est un karaoké en fait à la fin. Ah, du coup, c'est quoi comme musique? Vu que c'est un karaoké, vu que c'est un blind test. Ça repart sur un live blonde de test musical. Allez les amis, je vous laisse. Salut. Baby. The city cold and empty. I can see clearly when you're gone. Oh, on I say oh. I'm blinding by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I say, oh, I'm drawing in the night. Derrière le week-end. Là, c'est The Weeknd. Je vais le voir en septembre normalement, si c'est pas annulé. Allez, salut les gens, bonne nuit à vous!